Ouais, je vois des Arabes, moi, je connais des Arabes. Maintenant, je vous parle de maintenant. L'autre fois, j'ai appelé un mec de Paris. Un mec qui m'a donné son numéro, je le connais. Je fais, wesh, ouais, ça va ou quoi? Il s'appelle Ahmed. Wesh, Ahmed, ça va ou quoi? Il me dit, ouais, ça va, Alhamdoulilah, toi, alors ça a sorti, c'est quand? Je dis, c'est bientôt. J'ai l'air, t'es où là? Je dis, faut que tu me rends un service. Il me dit, attends, attends, s'il te plaît, je vais poser ma copine, ma soeur et sa copine au chicha, vite fait. Après, je fais, vas-y, vas-y, rappelle-moi après. Je pose mon téléphone. Est-ce que c'est moi qui fous? Ou j'ai mal entendu? Est-ce qu'il m'a dit qu'il va poser sa soeur et sa copine dans un chicha? C'est quoi ça? Après, moi, j'ai dit quoi? Ça se trouve, j'ai mal entendu. Et une heure après, il m'appelle. Je fais, alors, t'étais où, frère? Ça fait une heure que je t'attends, exprès. Il m'a dit, non, non, parce que ma soeur, elle m'a fait mal à la tête, viens, avec sa copine, là. Ils m'ont dit, pose-moi dans la chicha, là, à Paris. À Place Clichy, dans un chicha. Ah non, à Bastille, à Bastille. Ah, je fais, ah, ok, je fais, ah, ok. Il m'a dit, ah, c'est quoi le service que je veux te rendre? J'ai dit, non, non, c'est bon, de toute façon, j'ai trouvé quelqu'un, il est déjà parti, merci quand même. Le mec, il fait 1,90 m, il fait 100 kilos, et il me dit, il a déposé sa soeur, avec la copine de sa soeur, dans un chicha à Bastille, à Paris. Oui,